Bonsoir à tous, alors déjà excusez-moi pour le fond parce que je peux pas vous proposer un environnement plus sympathique que celui-ci, mais vous savez tous qu'on est confinés et aujourd'hui on voulait vous parler un peu plus des actions que mène l'ONG Octopus dont je suis la directrice. Donc Octopus c'est quoi? Tout simplement c'est une ONG de protection des océans qui est basée à Strasbourg. Alors vous allez me dire océan, Strasbourg ça va pas forcément ensemble, mais vous avez tout à fait raison. Seulement, nous, notre objectif, c'est de réduire la pollution plastique qui existe à l'heure actuelle. Et il faut savoir que la mer Méditerranée est la mer la plus polluée au monde. Et tous les déchets qui se déversent dans cette mer Méditerranée, qui est celle qu'on a l'habitude de visiter pendant nos vacances, proviennent des fleuves et des rivières. Et notamment à Strasbourg, où on a la chance quand même d'avoir une nature qui est assez présente. Donc voilà, Octopus est une ONG de protection de la biodiversité marine et donc plus généralement de protection des océans qui milite pour la réduction de la pollution plastique. Du coup, on a installé à Strasbourg une antenne citoyenne de valorisation des déchets sous le modèle Precious Plastique que vous pouvez visiter au tiers-lieu des ateliers éclairés. Et sur le plus long terme, on organise aussi des dépollutions dans plusieurs villes de France, aussi au niveau européen. On permet à des jeunes de partir en mobilité européenne gratuitement et on travaille vraiment sur la possibilité de préserver les récifs coralliens en permettant du coup l'adoption de récifs. Ça, c'est des questions qui sont un peu plus techniques, mais si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous renseigner là-dessus. Merci et puis bon confinement.